La ville de Kisangani, voilà son image. Des maisons englouties sous les eaux, des véhicules aussi, des toitures emportées, des suites de pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville, accompagnées de fortes tempêtes. Dans la commune Makiso, les spectres de cette pluie sont là, à l'hôtel de poste de Kisangani. Une partie de la toiture est emportée par ce vent violent. Les différents bureaux de services de l'État qui s'y trouvent, les documents sont détruits. Même les locataires qui y habitent sont à la belle étoile par ces temps. Sur la voie publique, l'on pourrait voir les arbres tomber, bloquant ainsi la circulation sur une grande partie de la ville. Le stade Lumumba, lui aussi, dans sa partie de la toiture, il est considérablement touché. Une pluie qui a laissé à son passage de pertes en vies humaines, plus de 8 morts, 19 disparus, sans compter les rescapés et les blessés graves et légers qui sont amenés dans les centres hospitaliers pour des soins appropriés. Ajoutez à cela les dégâts matériels énormes, 3 édifices publics et plus de 450 maisons endommagées, faisant au total environ 3500 ménages concernés. Bilan provisoire communiqué à l'issue de la réunion des crises convoquée par le vice-gouverneur de province, Maurice Habibou Sakapela Bin Mungamba, avec les comités provincial de sécurité, le ministre provincial des Transports et Voies de Communication et autres bourgmestres des 6 communes de la ville de Kisangani. Face à cette situation, le gouvernement provincial de la Tchopo fait appel à la solidarité humanitaire, tant nationale qu'internationale, pour venir en aide à la population victime de ces faits de la nature. La préparation à la réponse aux urgences reste limitée. Le ministre congolais de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a représenté le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la réunion de haut niveau sur l'adoption de la couverture sanitaire universelle. Dans son adresse, le docteur Eteni Longondo a fait savoir que la République démocratique du Congo s'engage à mettre en place un écosystème de couverture santé adapté, couvrant l'ensemble des catégories sociales et envisage d'accroître de 10% par an le taux de couverture sanitaire des populations pour un système efficace d'assurance maladie abordable par tous jusqu'à l'atteinte de la couverture maladie universelle. Sur ces, quelques recommandations ont été formulées. Il faut un renforcement des capacités des auteurs locaux, un travail continu avec la police et l'armée pour une meilleure protection des femmes et des filles en période de crise. Il faut une bonne collaboration avec tous les acteurs de la réponse humanitaire pour atténuer le risque. Des efforts ont été accomplis pour lutter contre l'impunité des auteurs des violences sexuelles, y compris au sein de l'armée et de la police, et au niveau des autorités politiques et administratives. Signalons par ailleurs que le ministre de la Santé a également pris part à une réunion sur la situation de la femme et de la jeune fille avec certains partenaires dont les PNUD et l'UNFPA, rencontre à laquelle les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique ont pris part. Combattre le mariage précoce, investir dans l'éducation de la jeune fille et promouvoir l'autonomisation de la femme africaine, les premières dames d'Afrique renouvellent leur engagement dans la lutte pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en Afrique. Ces assises de haut niveau qui se tiennent à New York en marge de la 74e Assemblée générale des Nations Unies ont mis autour d'une même table les premières dames d'Afrique ainsi que les partenaires techniques et financiers de l'organisation qui les réunit, à savoir l'Organisation des Premières Dames pour le Développement, au nombre desquelles l'UNFPA et la BAD qui s'affichent en première ligne. Partant des expériences personnelles, les Premières Dames ont l'une après l'autre proposé des pistes de solutions pour mettre fin à cette inégalité qui caractérise les pays africains et qui constitue un frein à leur développement socio-économique durable. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, a axé son intervention sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour améliorer l'accès des filles et des femmes à une éducation de qualité en Afrique. Pour ma part, j'estime que pour améliorer l'accès des filles et des femmes à une éducation de qualité en Afrique, les recommandations suivantes sont limitées. Premièrement,
assurer la gratuité des victimes de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, construire les écoles en milieu rural, apporter des réformes nécessaires pour des formations de qualité, briser les barrières culturelles, notamment la sensibilisation continue des parents sur l'importance de l'éducation et de l'instruction. Associer les femmes dans les prises de décisions, l'option est aussi celle privilégiée par celles qui portent la voix de l'Afrique. Les premières dames d'Afrique sont et ont toujours été en première ligne d'initiative des plaidoyers qui contribuent au développement de l'Afrique. À travers l'OPDAD, les premières dames africaines souhaitent intensifier leur engagement, mobiliser les acteurs et promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes grâce à leur nouveau plan stratégique 2019-2023. Le projet d'information satellitaire et météorologique pour la réduction des risques des catastrophes en Afrique centrale s'investit pour organiser la riposte des interventions afin de réduire les catastrophes dues au bouleversement climatique dans la partie centrale de l'Afrique. Cela en créant des plateformes sous-régionales comprenant des pays membres. Ces plateformes doivent être alignées sur des textes juridiques et des équipements logistiques adéquats. La synergie de l'action de toutes ces plateformes fera que les catastrophes dues au bouleversement climatique soient réduites au niveau de l'Afrique centrale. C'est dans ce cadre qu'il s'est ouvert ce mardi 24 septembre à Kinshasa l'atelier de réhabilitation et de renforcement de capacité des services météorologiques et hydrologiques nationaux et les institutions nationales de gestion du risque des catastrophes. L'objectif visé à travers cet atelier, c'est réhabiliter la plateforme de réduction des risques des catastrophes qui normalement devrait exister dans les pays, qui doit regrouper les météos, les hydrologues et les agences humanitaires et la plateforme, les services de protection civile. Et dans cette plateforme, c'est un cadre pluridisciplinaire qui permet d'élaborer des vigilances, des produits pour pouvoir alerter la population sur les risques éventuels d'inondations qui peuvent arriver selon les zones, que ce soit les zones à risque ou bien les zones qui reçoivent régulièrement des cas d'inondations qui peuvent arriver. Au terme de cet atelier, les pays de la plateforme RDC Burundi seront outillés pour combattre les catastrophes dues aux perturbations hydrologiques et météorologiques. Il s'agit d'un jour historique pour tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la violence sexuelle en RDC. Les participants à la cérémonie du lancement de ce projet, proposé par le Fonds social de la République démocratique du Congo avec l'appui financier de la Banque mondiale, l'ont reconnu ce mercredi 25 septembre à l'hôtel Béatrice Cadre Choisy. On note parmi eux les représentants des caucus des députés nationaux des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, du Maniema et du Tanganyika. Pour la présidente de l'Assemblée nationale, la lutte contre les violences basées sur le genre, loin d'être seulement les combats des ONG, concerne surtout l'État à travers ses juridictions, avec accompagnement des structures pour la réhabilitation psychologique et morale de la femme et de la jeune fille, a indiqué l'honorable Janine Mabunda Lyoko lors du lancement du projet de la prévention et réponse aux violences basées sur le genre. En m'associant à l'activité de ce jour, je relève notre ferme volonté de replacer tous les acteurs dans son rôle, d'avoir un agenda maintenu, continu et persistant sur la question de la lutte contre les violences sexuelles, les violences basées sur le genre, et donc de laisser un espace de débat à la question sur la vision, la position, le positionnement que nous voulons avoir de la femme en République démocratique du Congo. Ce ne sera pas seulement le ministère du genre, enfants et familles, ou encore celui de la santé ou le bureau de la conseillère spéciale qui sont concernés par nos activités, mais c'est toute la nation congolaise qui doit être consciente et responsabilisée que cet acte-là porte atteinte au futur de nos générations. Auparavant, la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, est revenue sur les efforts du gouvernement pour éradiquer ces fléaux. Béatrice Lomeya Atilité en a appelé à l'implication de tous en vue d'un changement des comportements, car les niveaux élevés de violences basées sur le genre constituent un obstacle important à l'engagement de la femme dans la vie sociétaire. De son côté, le représentant de la Banque mondiale a réitéré l'essence du partenariat entre la RDC et son institution.
institution pour le financement de la lutte à court et à moyen terme. Dans la projection, il a été présenté les contours des actions à mener. Un seul mot d'ordre. Tous ensemble unis contre toute forme de violence faite à la femme et à la jeune fille. Stop aux violences basées sur la femme. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, a été présenté officiellement aux unités de la police nationale congolaise ce mercredi 25 septembre 2019. C'était au cours d'une cérémonie de prise d'armes organisée au quartier général de la police. À cette occasion, le patron de la territoriale a rappelé aux agents et cadres de la police leur rôle citoyen au sein de la société congolaise. À l'occasion de cette grande et prestigieuse cérémonie de prise d'armes, ensemble, nous puissions manifester notre volonté, notre engagement de servir la République sous les drapeaux et que nous puissions confirmer en même temps notre disponibilité de pouvoir accompagner le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise dans cet immense défi qui met l'homme au centre de son action afin de le rendre heureux et fier d'être congolais. J'insiste donc sur l'indiscipline au sein de la police nationale congolaise. Laquelle discipline devrait rendre notre police réellement professionnelle et efficace. Si cette vision de la nouvelle police congolaise est concrétisée, notre police nationale sera réellement une police au service du peuple. À la forme d'une pyramide inversée, ce bâtiment est conçu au préalable pour 3 ou 4 niveaux. Il en est déjà à son 13e. Une situation qui met en danger la vie des locataires, mais surtout inquiète les voisins qui sont toujours aux aguets, car ils ne savent ni le jour, moins encore l'heure à laquelle l'épure pourrait advenir. Alerté par les cris de détresse de la population, le patron de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou, est descendu sur les lieux pour s'inquiétudre de la situation. Sur place, la situation est bien plus que grave. Les bâtiments ne respectent aucune norme architecturale et l'on constate déjà des fissures ça et là dans quelques colonnes. Comme si cela ne suffisait pas et attiré par le goût du lucre, les propriétaires de cette pyramide continuent toujours avec les travaux d'élévation de cet immeuble. Et le ministre d'État Pius Mwabilou a ordonné l'arrêt immédiat des travaux et a convoqué le propriétaire de cet immeuble pour lui fournir toutes les explications. J'ai vécu dans cette commune ici pendant plus de 40 ans, des choses comme ça, j'ai jamais vu. C'est pas possible. Je ne suis pas venu dans ce ministère pour voir les Congolais vivre dans des conditions comme ça. J'ai une mission qui m'a été confiée par le président de la République, par le chef du gouvernement. Je dois arrêter des choses comme ça. Une décision bien saluée par la population. Soucieux de faire respecter les lois de la République en matière d'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou promet de frapper tous les récalcitrants. Les liens ont toujours existé et les actions sont posées en synergie en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de la femme. Les organisations de la société civile, partenaires du gouvernement, ont échangé avec la ministre d'État, ministre du Genre, Béatrice Lomeya, dans le cadre du partenariat qui lie les deux parties. Ces organisations ont exprimé le vœu, bien plus ont sollicité auprès de la patronne du genre pour servir d'interlocuteur dans la prise en compte dans le budget alloué au ministère des rubriques destinées à un appui aux ONG dans la promotion de la femme. Une réponse positive leur a été réservée. La patronne du genre table sur un partenariat sincère pour le bien-être de tous. Animé d'un sens managérial, Julien Paluku-Karungia, ministre de l'Industrie, s'engage à faire de l'industrie un facteur de croissance économique. Pour y arriver, il faut un management de qualité avec des stratégies capables d'attirer les investisseurs. C'est à ce titre que le ministre de l'Industrie a effectué une descente à la zone économique spéciale de Maluku qui s'étend sur 885 hectares. Le chef d'émission de l'Agence des zones économiques spéciales, Ogi Bolanda, a mis le ministre au parfum sur l'évolution de ce projet pilote qui, à ce jour, vient de recruter un aménageur gestionnaire pour la viabilisation et l'opérationnalisation de ce site. La Socidaire, société sidérurgique de Maluku, a
bénéficié aussi de l'attention du ministre. Malgré l'état de vétusté des équipements, Julien Paluku promet de s'y mettre pour sa relance en tenant compte de la technologie actuelle. Arimex, société de recyclage des déchets en plastique et production des câbles, a bouclé cette ronde du ministre. D'ici 45 jours, les activités seront déjà opérationnelles. La zone économique spéciale, qui est un grand projet du gouvernement congolais pour attirer les investisseurs à venir chez nous. Il fallait d'abord que je me rende compte de sa viabilité. C'est la raison pour laquelle j'ai visité plus ou moins deux stations. La première, c'était la station de la SNEL, parce que les investisseurs auront besoin d'électricité. Et là, je suis content qu'il y ait une disponibilité de plus de 75 MVA qui sont disponibles pour alimenter toute la zone économique spéciale. J'ai visité la station de la régie des eaux pour me rassurer qu'également il y aura de l'eau. J'ai retenu que la zone économique spéciale a déjà un aménageur qui a été recruté et qui est en train d'aménager les sites. Il y a une forte demande maintenant qui va m'obliger de présenter au gouvernement un projet de décret qui devrait être signé par les premiers ministres pour devoir alléger la fiscalité dans cette zone. Par la suite, j'ai dû visiter la Socider. C'est une société qui n'a que des défis. Il faut donc un audit technique pour que nous nous rassurions que cette usine peut encore être fonctionnelle. Dans un autre volet, le ministre de l'Industrie a échangé avec la délégation de la minoterie des Matadi Midema, conduite par son directeur général, Raph Moss. L'amélioration du climat des affaires au menu des échanges. Cette usine produit de la farine de froment, de la semoule de blé et des aliments pour bétail. Le ministre d'État aux hydrocarbures, Rubens Mikindo, a réuni autour d'une table tous les opérateurs pétroliers. Le ministre d'État des hydrocarbures, Rubens Mikindo, a voulu en savoir plus sur la situation de la grève des agents et cadres de la Congolaise des voies maritimes, CVM, qui impacte négativement et risque de causer la pénurie des produits pétroliers en RDC. Le ministre d'État des hydrocarbures, Rubens Mikindo, a demandé aux responsables de la CVM de privilégier les dialogues avec les agents en vue de répondre aux désiderata des agents et cadres de la CVM. Les opérateurs pétroliers œuvrant en République démocratique du Congo ont rassuré au ministre d'État des hydrocarbures tout en lui promettant de ne ménager aucun effort pour qu'une solution idoine soit trouvée dans un bref délai. Dans un autre décor, les pétroliers congolais, réunis au sein du groupement des professionnels des distributeurs des produits pétroliers GPDPP, n'ont pas attendu pour poser les problèmes liés à l'exercice de leur métier, notamment les structures des prix des produits pétroliers, les structures de logement qu'il faut renforcer, surtout la fraude de produits pétroliers non conformes. Ajoutez à cela l'insécurité qui est à la base. Madame Acacia Bandoubula, ministre de l'économie nationale, accompagnée du vice-ministre Okito Lutundula, ont émis le vœu de poursuivre la sérénité qui a caractérisé le partenariat avec l'État. Très attentive et d'une manière intelligible, la ministre a rassuré les pétroliers de poursuivre l'effort de renforcer ce partenariat. Au ministère des Finances, l'heure est au rappel de troupes en vue de mobiliser les ressources nécessaires devant doter le pays des moyens de sa politique. La réunion de ce matin de régie financière autour du ministre Seleya Lagouli répond à cette logique. Donc il est question de passer en revue la situation des recettes mobilisées au cours du mois et aussi les recettes prévues pour le mois d'octobre. Et cela parce que vous savez que le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements, entre autres des solutions à apporter dans le cadre du social. On a décrété la gratuité de l'enseignement de base. Et puis vous avez aussi le problème des salaires des enseignants. Donc tout ça, ça demande de ressources que les régies sont censées mobiliser. Il va falloir prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir accompagner le gouvernement. Que chaque régie ait passé en revue les différentes actions à mener dans le cadre de ce mois de septembre, pour la clôture du mois de septembre, et également envisager qu'est-ce qui va être fait au mois d'octobre pour pouvoir accompagner le gouvernement, et en même temps aussi au dernier quadrimestre. Donc nous avons discuté de cela, en évoquant également certains problèmes qui nous préoccupent, des problèmes
des moyens humains, matériels et financiers que nous avons exposés à son excellence, monsieur le ministre, et qui a été très favorable à nos préoccupations. Ces réunions se tiendront deux fois le mois. Question de faire l'évaluation des mobilisations de recettes. Le lancement de l'opération de souscription au bon du Trésor pour essayer de donner l'espace au budget de l'État congolais est salué par les milieux financiers. Il mobilise la communauté nationale, implique les banques commerciales et les marchés, ce qui permettra d'élever des fonds sur le plan national. Comme nous sommes animés par les soucis de soutenabilité et de viabilité de la dette, et généralement, c'est des fonds qui seront alloués aux investissements publics. Donc nous avons ce souci de financer les investissements publics qui puissent inspirer confiance et attirer l'investissement privé à ce moment-là. Et sur le plan opérationnel, comme son Excellence l'a dit, dès le 4 octobre déjà, nous allons vous présenter le fonctionnement de ce marché, son organisation sur le plan juridique, sur le plan opérationnel. Et nous allons vous expliquer les avantages, le vertu que présente ce nouveau instrument qui sera cette fois-là permanent pour le développement du pays, parce qu'il vous souviendra qu'il y a eu des tentatives dans les temps de recours à ces financements directs, mais on n'a que réalisé des échecs parce que la gouvernance n'était pas celle que nous préconisons aujourd'hui. Si hier le taux de scolarité à Gungu était faible, aujourd'hui, bon nombre d'enfants à Gungu ont repris le chemin de l'école grâce à l'idée salvatrice du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement de base. L'honorable Lucie Gouatelela Goubembea, élue de Gungu, en a fait sienne cette gratuité. Lors de son séjour sur place, elle a remis des kits scolaires aux écoles de Gungu, un geste qui marque son soutien à l'initiative du président de la République. Aujourd'hui, fière d'être un modèle du coin, elle veut que les filles et fils de Gungu lui emboîtent le pas. Le programme du chef de l'État, en donnant les cahiers, les traits, pour que les enseignants puissent commencer avec ça, afin que les frais de fonctionnement ne tiennent et leur salaire qui se prépare. Parce que ça, c'est un gouvernement qui promet. Il a dit, il va faire, les enseignants seront payés. De l'épée en Mangola à Mungindu, comme à l'Institut et épée Kiyaka à l'INERA, les responsables d'école sont unanimes. Vous ne saurez imaginer la quantité de joie qu'éprouvent les fils et les filles de Mangola pour vous accueillir. Nous vous souhaitons la bienvenue. En effet, depuis vos prédécesseurs, vous êtes la seule fille du terroir à avoir pensé visiter personnellement et particulièrement les écoles de notre cité. Une action en signe de soutien à cette population des enfants qui sont l'avenir du territoire, mais aussi une façon de remercier sa base qui lui a témoigné son soutien pour une deuxième fois en tant que fille du terroir.